Ce dimanche 7 janvier, Anouchka Delon a brisé le silence entourant la controverse qui divise sa famille depuis plusieurs jours, s'exprimant lors de son interview au journal de 20h de TF1. Elle a notamment évoqué l'état de son père. Alain Delon ne va pas bien. Il est mal. Il est effondré. Ça me brise le cœur de le voir comme ça, confie Anouchka Delon ce 7 janvier avec émotion sur le plateau de TF1. Elle a exprimé sa honte face à l'étalage public de la vie intime de sa famille et à la manière dont son père est présenté comme s'il était déjà décédé. On a l'impression de parler de notre père comme s'il était déjà mort. Je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Interrogée sur les accusations de son frère Anthony concernant l'héritage, Anouchka a répondu en apportant des éclaircissements. Depuis la vie de mon père, mes frères et moi avions accès aux mêmes informations, je ne vois pas pourquoi j'aurais dissimulé ce genre d'informations, cela lui appartient. Je n'ai pas menti, je n'avais pas accès à ces informations. Anouchka Delon a expliqué pourquoi elle avait voulu que son père aille vivre en Suisse. Anouchka Delon a ensuite qualifié d'indécent le fait de présenter le départ de son père pour la Suisse comme un exil fiscal. Elle a expliqué sa décision de le faire venir en Suisse, « Je n'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père, en 33 ans, jamais. La seule raison pour laquelle j'ai voulu le faire venir en Suisse, si est pour qu'il soit traité. » Au cours de l'interview, Anouchka Delon a confirmé avoir porté plainte contre son propre frère Anthony. Elle a admis que cette décision était terrible, expliquant, si est une horreur de porter plainte contre son propre frère. Mais je suis obligé de le faire. Quand j'ai appris la parution de cet article, j'ai eu envie de me tuer. Je ne pensais jamais arriver à quelque chose comme ça dans ma vie. Il m'oblige à le faire. Alain Fabien Delon est sorti du silence et a dévoilé un enregistrement audio de sa sœur qui s'adresse à leur père. Alain Fabien Delon, de son côté, a contre-attaqué sur Instagram. Il accuse sa sœur Anouchka d'avoir perturbé leur père avec l'article de Paris Match. Le comédien a rappelé la fragilité de leur père, affaibli, anxieux, sans voix, et dénonce le comportement de l'avocat de la famille. Alain Fabien Delon a enfin dévoilé un enregistrement audio clandestin où Anouchka s'adresse à leur père dans son dos. Dans celui-ci, elle exprime sa colère, l'accusant d'être un débile et de se faire manipuler, mettant en garde contre un possible piège.